Oh, Lily, pourquoi tu pleures? Oh, je déteste te voir comme ça. Je crois que ta marraine la fée vient de t'envoyer de l'aide. Double labeur et difficulté. Brûleur de feu et bulle de chaudron. On veut tout ça, chérie, crois-moi. Vos désirs sont des ordres. Voyons si le chaudron magique est vraiment magique. Oh, waouh! Il t'envoie des conseils. Et les gadgets en plus. C'est génial! Mais est-ce que ça a vraiment marché? Ma mère dit qu'il ne faut pas croire tout ce que l'on voit à la télévision, alors... Je pense que c'est aussi valable pour les médias sociaux. Oh, allez, ne nous fais pas attendre. Ça a l'air un peu effrayant, quand même. Comme un appareil de torture. Mais tu as l'air d'aller bien, donc ça ne te fait pas mal, je suppose. Tes tresses colorées te donnent un air bohème. Miroir, miroir sur le mur, qui est la plus belle de toutes? Waouh! Le chaudron est déterminé à te rendre populaire. Les diamants sont les meilleurs amis des filles. Montre-nous tout le bling-bling, jeune fille. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais j'adore ce look luxueux de fille de campagne. Je donne aux deux une note de 5 étoiles. Il est temps de partager ton nouveau look avec le monde entier. Il va falloir que la vidéo soit spectaculaire, parce que les gens vivent pour le drame. Abracadabra à la Kazam! En d'autres termes, la magie du montage. Waouh! Ta vidéo reçoit tellement de likes! Tu les mérites tous, ma fille! Quelle est la suite? Oh oh! Je crois que le chat de la vidéo a eu peur. Tu devrais donc prévenir le tien avant d'essayer. Je dis ça comme ça. On dirait que tu te prépares à une invasion d'extraterrestres ou quelque chose du genre. Je te fais confiance pour sauver le monde si ça arrive, alors. Waouh, ça me rappelle la chanson de la petite sirène. Nous n'avons pas de problème, la vie et les bulles. Hey, tu deviens populaire à chaque vidéo. Les gens adorent te voir en action. On dirait que le chaudron t'a donné un autre gadget 5 étoiles. Espérons que ce ne soit pas celui d'Ursula. L'épluche-pomme Akio. Qui l'aurait cru? Harry Potter m'a appris une ou deux choses sur la magie, après tout. D'accord, d'accord, j'admets que c'est à cause du chaudron. Mais voyons, une fille ne peut pas faire semblant. Waouh, c'était rapide! Ces gadgets t'aident à garder les mains propres. Mais il n'y a pas de gadget pour tenir la pomme pendant que tu manges. Nous n'avons probablement pas besoin d'une chose comme ça. Oh, il me faut le numéro de téléphone de ton coiffeur immédiatement. Je dois prendre rendez-vous pour avoir tes cheveux de pomme. Mais c'est comme si le chaudron disait « Ce n'est pas la peine, ces gadgets devraient faire l'affaire. » Je suis d'accord avec ça. Cela me permettra d'économiser de l'argent. C'est moi ou ça ressemble à du crochet? Ce serait une bonne coiffure. Si seulement nous vivions dans les années 80. Oh! Et le tigre! Qui ne donnerait pas 5 étoiles à ce joli visage? C'est vrai, tu dois rester hydratée, Lily. Tu dois prendre soin de toi pendant que tu grimpes l'échelle du succès. Oh, je ferais mieux de prendre ce rendez-vous après tout. Parce que ceux-là ont un laissé-passer. Qui est ce petit gars? Oh oh, c'est un désordonné. On dirait que tu t'es fait un nouvel ami. Il est mignon, mais espérons qu'il n'a pas la diarrhée. Parce que si c'est le cas, ça ne serait pas drôle de s'occuper de lui. Ni de nettoyer ses dégâts. Appelons-le Monsieur Poopster. Heureusement qu'il a ses propres toilettes. Ça montre qu'il est responsable, tu sais. Je ne pense pas avoir vu quelqu'un d'autre qui a l'air aussi heureux en faisant caca. Répandons cette joie dans le monde entier. Le bonheur est multiplié lorsqu'il est divisé, après tout. Et il semble que j'avais raison. La vidéo de Monsieur Poopster suscite beaucoup d'intérêt. Oh, qui est un bon garçon? C'est un gobelet magique que tu as là. J'espère que tu ne bois pas autant de caféine tous les jours. Oh, c'est pour faire des slushies. Mais comment ça marche?
Ou voici une meilleure question. Est-ce que ça marche au moins? Je vais essayer de garder l'esprit ouvert, mais c'est difficile. Oh, tu vas vieillir en attendant qu'il soit prêt. Attends une seconde. Ce doit être le battement de son cœur. Il est vivant. Je veux dire qu'il est prêt. J'étais trop excitée, j'imagine. Où puis-je commander ce gadget 5 étoiles pour moi? Il faut me le dire maintenant. Ce chaudron magique connaît toutes les tendances. Ou peut-être qu'il crée les tendances. Je suis tellement jalouse. Je veux aussi un gestionnaire de médias sociaux comme celui-ci. Ce gadget me fait un peu peur. Je peux dire que c'est pour faire des masques. Mais j'ai l'impression qu'on peut aussi se faire un nouveau visage. C'est un truc de film d'horreur. Oh, je vais faire des cauchemars maintenant. Qu'est-ce que je peux dire? C'est l'inconvénient d'avoir une imagination sans limite. Tu ne perds pas de temps pour partager une nouvelle vidéo de TikTok, Lily. Mais c'est une bonne chose. Parce que c'est comme ça qu'il faut faire si on veut gagner de nouveaux followers. Le roi Midas. Tout ce que tu touches se transforme en or, reine des abeilles. 4 étoiles d'or pour celui-ci, alors. Hein? Qu'est-ce que c'est que c'est? Pourquoi les tiennes ne brillent-elles pas? Ce n'est pas grave, c'est toi l'étoile brillante dans ce cas. Un bon remède pour une nuit de fête sans fin. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Ça devient un vrai carnaval TikTok ici. Tu ferais mieux de ne pas dépenser toutes tes pièces de jeu et de manège pour celui-ci. Je dois admettre que c'est tentant, vu que ça a l'air amusant. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre pour Lily, le chaudron? Voyons, rien? Tu ne peux pas l'abandonner maintenant? Oh, c'est bien. Ce doit être le bouton d'urgence pour des situations comme celle-ci. On dirait que le chaudron a un dernier cadeau pour toi. Montre-nous ce qu'il y a dedans. Waouh! J'ai l'impression que cette boîte contient l'arc-en-ciel. Peut-être que tu trouveras un pot d'or au bout de la boîte. Alors je déclarerai que tu es la fille la plus chanceuse du monde. Parce que bon sang, qui d'autre trouve des chaudrons magiques, des glacières et de l'or le même jour? Amstram Gram, Lily choisit le nuage bleu. Très bon choix d'ailleurs. Ça ira très bien avec ta chemise et tes mèches de cheveux. Oh, attendre que le vernis à ongles sèche, c'est le pire. Et je me débrouille toujours pour le gâcher. C'est comme une malédiction. Alors, peux-tu me prêter cette lampe de séchage, s'il te plaît? Celui-ci mérite toutes les étoiles qu'il peut recevoir. Voilà comment on fait du nail art. Oh, Lily, regarde tous les followers que tu as. Je suis tellement fière de toi. Merci les gars, abonnez-vous à notre chaîne. Je vous aime tellement.